Yo tout le monde, c'est Freezer, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Et donc aujourd'hui les gars, on se retrouve sur un des nouveaux défis de la semaine numéro 4, qui va être de tout simplement danser sur une tête de tomate holographique. Il faudra également aussi danser sur une tête de Derburger holographique. Et pour terminer, il faudra danser tout simplement sur une tête de boulette géante. Donc on va commencer tout d'abord par le premier emplacement, qui va donc être celle de la tomate holographique. Donc pour cet emplacement, il faudra vous rendre au niveau de Megamall, et plus précisément côté magasin, donc au fond de Megamall. Et donc vous allez voir là-bas, il y a donc une tomate holographique, comme vous pouvez le voir, qui est donc juste ici. Et il faudra donc danser à l'intérieur de cette tomate. Donc il faudra utiliser de la construction, parce que vous ne pouvez pas l'atteindre directement. Et pour danser, vous êtes obligé bien sûr d'être au sol. Donc on va tout simplement récupérer de la construction pour faire ce petit défi. Donc là, on va prendre quelques construits. Donc bien sûr, je me suis mis en terrain de jeu, mais vous, quand vous ferez le défi, il faudra bien sûr aller dans les vrais modes de jeu. Donc on va prendre un petit peu de construit. Je pense que ça devrait le faire, là. Ensuite, vous mettez donc des escaliers, par exemple ici, hop. Et dès que vous êtes à l'intérieur, vous faites tout simplement une petite danse. Et donc comme ça, ça vous permettra déjà de valider le premier emplacement. Alors on va maintenant passer cette fois-ci à la deuxième étape de ce défi. Donc là, cette fois-ci, il faudra danser sur la tête du Derburger holographique. Donc comme vous pouvez voir, elle est donc juste ici, au niveau de Neo Tilted. Donc là, si on regarde, on est donc sur le bâtiment bleu, le bâtiment principal, on va dire. Donc il faudra vous rendre au-dessus de cette tête holographique. Alors si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est d'essayer d'atterrir assez haut. Comme ça, vous pourrez directement l'atteindre. Donc là, si vous vous positionnez bien au centre de cet emplacement, vous allez pouvoir vous poser ici. Et donc comme ça, vous pourrez faire une danse qui vous permettra donc de valider le deuxième emplacement de cette tête holographique. Et donc pour finir, pour le troisième et donc le dernier emplacement, il faudra vous rendre au niveau de Lucky Landing. Et plus précisément sur le restaurant de Lucky Landing, qui est donc juste ici. Et donc c'est là que vous allez pouvoir retrouver donc la tête de boulette géante. Donc là, cette fois-ci, c'est pas une tête en hologramme ou du moins holographique. Donc là, vous devrez soit atterrir directement dessus, soit en montant avec de la construction. Donc nous, on va monter avec de la construction. Et donc on va devoir se mettre au-dessus de cette tête pour pouvoir tout simplement valider le défi. Donc vous vous mettez tout simplement dessus, comme vous pouvez voir ça va tourner. Et ensuite vous faites une petite danse ou n'importe laquelle, après vous faites celle que vous voulez. Et donc comme ça, ça vous permettra de valider le troisième et le dernier emplacement. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur les trois emplacements des têtes que vous devez donc visiter et surtout danser. Merci en tout cas les gars d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a aidé. Et puis comme toujours aussi les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis nous sur ce les gars, on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo.